Il faut le préfet de dire, monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis à Tokyo, monsieur le président de la délégation spéciale de la préfecture de Tokyo, monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Tokyo, madame la députée, à la représentation de l'ambassade, distingués députés à vos rangs de titre, mesdames et messieurs, au nom de la congrégation, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture de l'université, lancée le 7 septembre 2018 dans cette même salle, et qui a permis durant 3 mois de recueillir des alertes, de les traiter et de les trouver des solutions. Il est vrai que certaines alertes n'ont pas été résolues, car elles nécessitent de gros moyens. Néanmoins, nous avons enseigné les services impliqués par rapport à la question. Vous aurez les détails dans la présentation qui vous sera faite bientôt. Pour nous, c'est que la décentralisation en marche au Togo puisse permettre à la population de s'impliquer activement dans le développement local. C'est la vision de l'Université dont l'objectif est de contribuer au développement local inclusif, à la participation citoyenne accrue, au rapprochement entre l'administration locale et les citoyens et à la bonne gouvernance. Nous saisissons cette occasion pour remercier du fond du cœur l'ambassade des États-Unis au Togo, qui a tout en tout et qui a permis à ce que ce projet soit complet. Merci également à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette phase d'expérimentation au niveau local, le préfet de Dior, les présidents de la délégation spéciale de la préfecture de la commune, le secrétaire général de la préfecture, la population de Tévier, Radio Horizon, tous les partenaires impliqués, surtout l'équipe locale de la coordination à qui nous a montré vraiment toutes leurs compétences. Soyez-en infiniment remerciés. Mesdames et messieurs, la phase de l'expérimentation du projet contient aujourd'hui. Notre souhait le plus cher, c'est que le projet en lui-même se finalise. Pour ce faire, il faut que les autorités et la population se l'approprient. Nous nous assurons quand même de notre disponibilité à fournir l'expertise nécessaire par la suite pour le projet. Pour la réunion, c'est que notre pays soit une référence. C'est notre souhait le plus cher. Alors, n'attendons pas que notre pays se trouve pour nous. Mettons-nous ensemble, travaillons efficacement avec un leadership poussé afin de bâtir un avenir sûr pour les prochaines générations. Je vous remercie.